Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour faire la page numéro 2. Je explique tout de suite qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant parce que j'ai commencé à filmer et heureusement que j'ai regardé, la caméra il fonctionnait pas. Aucune idée pourquoi. Et on n'a pas, j'ai pas travaillé toute seule beaucoup, j'ai collé juste un rabat. En fait, pour faire le côté A de la page numéro 2, on a comme d'habitude notre grand rabat avec la découpe sur cette côté avec les aimants qu'on a fait sur la première page aussi, et on va voir pour toutes les pages la même chose. Après, j'ai collé ici en bas un rabat comme ça qu'il mesure 12,5 sur 16 moins 1 cm, et cet rabat on s'aligne bien ici sur le bord, mais bien là sur le bord. Comme ça, une fois qu'il est collé, il vient exactement jusqu'à ici où on a la bordure de notre découpe. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ça se voit qu'il vient exactement jusqu'à ici. Comme ça ne dépasse pas et on ne gâchit pas cette jolie découpe. Maintenant, on va continuer ensemble cette fois. Et on va prendre encore un rabat qui mesure 12,5 sur 17 moins 1 cm. Moi, j'ai fait le 17 et après j'ai fait la découpe, d'où la bordure. Du coup, une fois qu'on a fait la découpe, c'est un peu plus petite. Ici, il a 15,5. Du coup, avec le pli du 1, on va avoir 16,5. Et sur les côtés, il reste 14,5. Parce que j'ai fait la découpe. Si vous faites pas la découpe, même vous pouvez laisser de 17, même si vous faites pas la découpe, si vous faites pas la bordure. Et bien sûr, vous pouvez utiliser quelle bordure vous voulez. C'est pas obligatoire d'utiliser la même que moi. Je vais ouvrir pour être beaucoup plus facile à coller et je me cale bien droit avec le rabat qui je viens de coller. Comme ça, je suis sûre que je suis exactement dans le bon endroit. Comme ça, je suis sûre que je suis bien droit sur les côtés là aussi. Du coup, j'enlève la pellicule double face. Voilà. Parfait. Et on a les deux qui sont collés ici. Là, on va coller cette papier. Là, c'est le dos du bloc. On va le coller ici. Mais avant que je le colle, je veux ancrer cette côté. On va coller comme ça. Je colle après à la fin toute seule comme ça. C'est un peu plus vite le tout. Ici en bas, je veux coller celui-là, ce papier. Sur le dos, il y avait plein de petites cartes, comme ça. Ici, je veux coller celui-là. Et là, je veux coller le même, comme ça. Mais j'ai utilisé la découpe pour faire bien le contour de mon dies. Et ici, en bas, on va coller une pochette. Moi, j'ai utilisé cette dies pour faire la pochette. Cette die ici qui vient de toujours de Herfel Création, la boutique Beauty Scrap, et il fait comme ça ouverte, il fait 16,5 sur 8,5. Mais une fois que j'ai fait mes plis, on va avoir une très belle épaisseur. Ça se voit, ma pochette il va faire 12,7 sur 6,5, et là on a une belle épaisseur de 0,6. Du coup, on peut mettre à l'intérieur beaucoup 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 des photos. Je veux coller la pochette avant de coller mon papier déco, parce que je veux après mettre le papier déco à l'intérieur. Du coup, j'enlève les pellicules de double face. Comme ça, je colle ici la languette. Je garde bien droit comme ça et je colle la languette ici. Je fais la même chose sur cette côté. Voilà. Je me mets toujours, hop, bien droit ici.
Parfait. Et maintenant, j'enlève la dernière double face, pellicule de double face. Et je me mets bien droit ici. Normalement, il fait exactement la taille parfaite pour coller ici. Je me cale bien droit en bas et bien droit sur les côtés. Hop. Je vois pas trop bien, du coup, je veux me mettre plutôt comme ça. Ici, hop, il y a un petit morceau que j'ai découpé sans vouloir quand j'ai coupé le double face. Voilà, j'ai collé ici, j'ai collé le bas et maintenant je colle ici. Parfait. Maintenant, j'appuie avec la comme ça, avec le plioir, comme ça je colle bien et c'est bon, c'est collé. Et on a vraiment une très grande pochette ici. Ça se voit qu'on a une très belle épaisseur. Après, on vient juste de coller des papiers ici, comme ça. Encore des papiers ici. Et là, moi, je peux mettre des cartes. Comme ça, on garde, par exemple, je mets cette carte. Je passe juste un exemple. Je ne sais pas si ça va être cette carte que je vais mettre ici. Et c'est tout joli dans cette magnifique pochette. Maintenant, on fait vite fait la fermeture ici. Je mets tout ça sur le côté. Et je vais prendre un aimant. Je veux le mettre ici, par intérieur. Même si on va mettre des cartes dans la pochette, je préfère mettre un aimant aussi parce que la pochette il est assez large. Du coup, il faut mettre beaucoup de places photo en intérieur. Comme ça, il tient bien tout. Pour ça, je préfère mettre des aimants aussi pour tout fermer. J'enlève celui-là et je mets l'aimant sur la page. Comme ça, quand on ferme celui-là, on a fermé celui-là aussi. Et comme ça, ça tient fermé. Et après, quand on va mettre en intérieur plein de cartes, ça va bien tenir tout. Voilà, comme ça. Tout simplement pour cette page. Ça, je vais mettre sur le côté, comme ça, je colle après. Et maintenant, on va travailler ici. Pour travailler ici, on a besoin de... On a besoin, je vous passe tout de suite. Déjà, deux petites languettes comme ça. Qu'ils mesurent tous les deux 6,7 sur 17 moins 1 cm moins 0,3. Et on va coller une ici au milieu. Moi, je veux ouvrir un peu les rabats pour ne pas casser ici le pli de ma pochette. Et on va en coller une ici au milieu, direct sur ma page. Du coup, j'enlève la pellicule de double face et je colle. Avec ça, on va faire la fermeture et on va coller d'abord ça pour tout fermer. Et après, on colle tous les rabats et les places photo qu'on a à coller. Du coup, je me mets bien ici. Voilà. Maintenant, j'enlève la pellicule de double face de cet côté. Je me mets bien droit avec celui-là et je colle bien sûr. Voilà. Du coup, je garde bien droit mon place photo qui est en bas. Je mets bien droit celui-là aussi. Bien sur le bord et je colle. Parfait. On a fait la fermeture. Maintenant, hop, on va prendre deux grands rabats qu'ils mesurent tous les deux 16 sur 12,5 moins 1 cm. Et on a besoin de deux. Et on va coller un ici en bas. Il fait exactement la taille parfaite pour mettre ici. J'ouvre encore une fois parce que je ne veux pas appuyer sur mon place photo. Et je colle ici exactement sur le bord là et sur le bord là.
Si on a bien mesuré, normalement, on n'a pas de soucis pour bien coller celui-là. Je vais plutôt c'est comme ça parce que je vais être embêtée pour à cause de la pochette qu'on a collée là-bas. Du coup, je me mets bien sur le bord là-bas. Parfait, bien sur le bord ici. Parfait. Et j'enlève et je colle. Parfait. Voilà. On va faire plutôt comme ça. Faut pas m'embêter trop. Parfait. On va prendre la deuxième. On va faire la même chose, mais cette fois sur cet côté. Du coup, toujours, j'enlève un petit morceau de double face. Et je me mets bien droit sur le bord de tous les côtés. Parfait. Nickel. Maintenant, j'enlève la pellicule de double face et je colle jusqu'à ici. Nickel. Et on a deux rabats qui se ouvrent comme ça. Maintenant, on va prendre quatre rabats. Tous les quatre, ils mesurent 17 sur 11,5 moins 1 cm. Et on va coller d'abord un ici sur notre rabat. On va faire cette fois comme ça. Et on va coller. Non, on va garder le rabat plutôt comme ça. Voilà. Et on va coller d'abord un ici. J'enlève toujours la pellicule de double face et je colle. Pour mieux qu'on voit ce que je fais, je vais mettre un papier lilas en dessous. Comme ça, je suis sûre que je ne touche pas les plis et je colle bien où il faut. Je me mets bien droit ici. Comme ça. Et bien sûr, bien droit ici. Parfait. Et j'enlève. Voilà. Maintenant, je ferme. Je mets mon papier ici. Comme ça, on voit mieux. Et je colle cette fois ici. J'enlève la pellicule. Et je colle ici cette fois. Je me mets toujours bien droit sur mon place photo qu'on vient de coller. Je me mets bien droit ici. Voilà. Parfait. Et je colle. Et on va avoir une place photo comme ça, une place photo comme ça, une place photo ici et une place photo ici. Voilà jusqu'à ici. Il faut juste que je fasse bien mes plis. Comme ça, il reste bien collé à sa place. On fait exactement la même chose ici. Sauf que cette fois, on va coller sur, on va commencer par cet côté. Du coup, j'enlève la pellicule de double face. Et je colle d'abord sur cet côté. Je me mets bien sûr bien droit sur mon place photo. Et maintenant, je me mets bien droit sur cette place photo.
sur cet côté. Nickel. Et c'est bon. Parfait. Voilà. Maintenant, je vais fermer tout de suite ici. Tout de suite ici. Et on va avoir ça. Une fois que c'est fait tout, on va avoir ça. Du coup, ici, on fait la fermeture. On va avoir une place photo qui s'ouvre comme ça. Celui-là, il se ouvre comme ça. Après, il s'ouvre comme ça. Et celui-là, il se ouvre comme ça. Après, on ferme ça. Il se ouvre ici. Et on ouvre ici. Voilà. On va mettre maintenant des aimants. Déjà, on va mettre des aimants ici. Pour fermer ça. Et je vais mettre un ici. Et je vais mettre le deuxième. Ici. En gardant bien droit tout. Parfait. Déjà, j'ai fait la fermeture avec ça. On peut rester comme ça. Parce qu'il tient très bien tout. Mais moi, je veux mettre pour fermer un peu les places photos qui sont là, ici. Du coup, je veux mettre un là. Je tourne comme ça. Je prends un aimant. Après, si vous ne voulez pas utiliser beaucoup d'aimants, vous laissez que cette fermeture. Je mets ici, comme ça. Et quand je ferme, il se colle ici. Ah non. On va tout refaire. Je mets un au milieu. Un aimant ici au milieu. Je ferme. Je ouvre celui-là. Je prends encore un aimant. Si vous voulez, vous fermez qu'avec celui-là. Si vous ne voulez pas utiliser beaucoup d'aimants. Mais moi, je veux fermer les places photos qui sont là aussi. On ferme et on colle comme ça. Comme ça, on a collé ici. Et même, on peut mettre un ici pour coller ici. C'est comme vous voulez. Et je fais exactement la même chose sur cet côté. Du coup, je vais mettre un là. Je ferme. Je mets un sur cet côté. Voilà, et moi je veux mettre un sur ce côté aussi pour fermer là. Mais comme j'ai précisé, c'est pas obligatoire, c'est à vous. Donc voilà, parce que je veux qu'il reste fermé comme ça, mais je veux qu'il reste fermé comme ça aussi. Encore un. Voilà, là. Voilà. Et on a un ici. Un ici. Même, je crois que c'est mieux si je prends celui-là qui est là. Et que je le mets ici. Non, on va laisser comme ça. Et j'ai utilisé ce système de fermeture parce que là, on va faire des petites places photos. D'où 6 sur 9. Et après, je veux coller celui-là aussi. On va avoir encore deux places photo. Je veux coller ici, comme ça. Pour tout fermer. Comme ça. Voilà. Après, comme j'ai précisé, c'est pas obligatoire d'utiliser autant des aimants. Vous pouvez utiliser que les deux qui sont là. Et c'est tout. Moi, j'ai utilisé des petits aimants. Pour ça, je veux qu'il tient un peu plus fermé. Comme ça.
Mais comme j'ai précisé, c'est pas obligatoire. Vous pouvez même utiliser que celui-là et celui-là qui est là. Il n'y a pas besoin que vous mettez celui-là aussi. Moi, je vais faire comme ça, mais c'est à vous de choisir. Je colle tous mes papiers déco et je reviens tout de suite avec le final. C'est bon, les filles, j'ai fini de décorer. En fait, sur cette côté, sur la pochette, j'ai mis un papillon et des petites fleurs. Et j'ai mis des paillettes sur les fleurs. J'espère que ça se voit. Et dans cette large pochette, j'ai préparé un dépliant comme ça. C'est des doubles cartes. En fait, ici, j'ai préparé une carte normale de 16 sur 22 pliés en deux. Comme ça fait des places photo de 16 sur 11. Et celui-là, j'ai fait 16 sur 23. Et j'ai fait le pli à 11 et un pli de 1 cm que j'ai collé ici. Comme ça fait plusieurs cartes. Et j'ai décoré juste là avec du papier lilas. J'ai découpé dans le papier Stamperia avec le dies à rond. Et j'ai mis des strass tout autour pour décorer et mettre ici dans la pochette. Là, j'ai mis des strass. Ici, j'ai mis des fleurs avec des paillettes. Et là, j'ai mis la découpe. C'est cette découpe qu'il fait dentelle. On passe juste celui-là et ça découpe sur tous les deux côtés. Et ça fait cette jolie dentelle. C'est celui-là. Ça fait cette jolie dentelle. Et j'ai utilisé pour décorer ici. Après qu'on en ouvre, ici, c'est papier lilas. Ici, papier lilas. Et là, c'est papier. Et après, là, papier lilas tout simple. Et pour cette côté, c'est bon. Voilà. Et après, on va mettre ça à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup. Et sur cette côté, j'ai utilisé cette carte que j'ai montré que je veux utiliser. Et c'est la carte que j'ai fait avec les dies, quand j'ai fait la présentation des dies. Ici, j'ai découpé des petits ronds comme ça avec du papier lilas. Et j'ai mis comme ça, c'est des places photos. On ouvre là, on a un place photo plus papier déco. Ici, on peut mettre des photos, mais comme c'est devant, j'ai laissé une papier entière. Là, j'ai fait une place photo et une morceau comme ça. Le place photo, c'est pour des photos 6 sur 9. Là, j'ai utilisé cette magnifique papier. J'aime beaucoup. J'ai continué. J'ai fait la continuité de papier. Après, on ouvre ici des places photos. Pareil sur cette côté, des papiers lilas. Sur cette côté, toujours des papiers. Et qu'on en ouvre comme ça, des papiers. Et là, j'ai utilisé une découpe entière pour faire une bordure comme ça, dentelle. À la base, je voulais mettre sur cette côté aussi. Mais en fait, ici, on peut mettre une grande photo 13 sur 18. Et comme ça, avec la dentelle, c'est sympa. Voilà pour cette page. J'espère que ça vous plaît celui-là aussi. Moi, j'adore. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer cet album. Bisous. Bye bye.